Jésus du fardeau. Par toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de feu qui causait sans effroi. Chant d'espérance sous la dame, on dit ça avec.
puissant enfant, en sa fidélité. Dieu, merci Seigneur. À l'Éternel seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment pour écouter l'édition de votre Réjouis TV. Jeudi, c'est mercredi 23 septembre 2020, son opportunité pour nous capables ensemble. Et pour nous rentrer dans la prière. Chaque mercredi, à partir de 7h30, nous gagnons la prière pour le monde. C'est très important parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, une fois que justifié par le sang précieux de Jésus-Christ, maintenant, prière gagne en pile efficacité à travers le monde. Pour cela, il faut lever la prière en pile efficacité. Et tant que juste, nous saluons chaque ami qui avec nous, qui branché et moment de prière ça, et un peu partout à travers le monde, on salue ta chance spéciale. Pas oublier chaque mercredi, chaque jeudi, 7h30,
Et chaque dimanche matin à partir de 10h30, nous gagnons servi de louange de d'adoration et qui est vraiment important pour nous capables de rappeler. Et si tu as aimé, joignez à nous ou capable de taper Hébreu 13 TV sur YouTube, sur Facebook et ou à rencontrer avec le ministère. Ça. Nous saluons tous bien aimés qui sont encore branchés au bout de la ligne pour nous capables d'aller la prière pour le monde. Moi, saluer la sœur Bernadette Mathurin, une animatrice édition Hébreu 13 TV qui est là avec nous chaque mercredi, chaque jeudi pour l'enseignement biblique, son plaisir pour nous avec lui et son opportunité nous gagner pour nous capables de saluer l'autre. Moi, saluer la sœur Bernadette, que le Seigneur bénisse. Amen. Merci, Pasteur David. Alléluia. Dans le plus grand nombre des cieux sur la terre et sous la terre, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le seul moi Dieu, notre Père éternel, moi salue tous bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices, qui branchaient édition Hébreu 13 et qui branchaient prière pour le monde à soi à travers le Seigneur Jésus. Moi, c'est le Seigneur Mathieu du côté de Boston, moi, ça les pasteurs d'Alice là, animateur et mission, pour proclamer l'évangile, savoir le but de notre Seigneur Jésus et de la paix intérieure. Moi, ça le dispense à tous les collaborateurs et nous voilà en entendu pour la plus grande gloire de Seigneur Jésus-Christ. Seul vous dire à jamais. Mon mari si doux, que la prière. Tout l'évangile se révèle moi comme un comme un sauveur, comme un abîme. Oh oui, je t'aime, béni. Je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux mot, ma de prière, qui me transporte jusqu'au ciel, où Jésus m'a mis. Lui-même présenter déjà souvent dans la distance, tu fais ma force et mon espoir pour qui te chercher son sens, jamais il n'est le ciel.
Gloire à Dieu, lisons une partie de la Bible dans Matthieu chapitre 3 et chapitre 4. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Gloire à Dieu, restez branchés et n'a retourné pour la prière d'adoration. Restez branchés. Thank you.
nous avons de la prière d'adoration, même qu'à côté édition et Woodrage TV, chaque mercredi à partir de 7h30. Nous avec vous pour nous capables de prier le Seigneur. Et nous avons clairement le Seigneur, l'irréel, si on va être réel à travers le monde, c'est le Seigneur. C'est là qui bat nous le souffle de vie qui permet de nous subsister, qui permet de nous dormir et nous lever, nous sortir et nous rentrer. Il y a un moment vraiment spécial pour nous capables de prôner dans lui comme notre créateur de toutes choses. C'est un moment spécial pour nous déclarer s'allier pour nous. S'allier pour nous que personne à travers le monde pas capable jamais. C'est papa nous, papa spirituel nous, qui connaît nous et qui connaît la vie nous, de fond en comble. Nous adorons papa qui n'a jamais failli dans la mission. C'est pas seulement nous-mêmes qui adorons comme le seul vrai Dieu, mais la parole de Dieu montrait que il y a 24 vieillards, 24 anciens de la Bible. Ils ont été prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Les 24 anciens, ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, n'est-ce pas? Les 24 anciens, ils ont jeté couronne devant trône et dit: Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que tout bagaille qui n'a pas gagné à travers l'humanité existait. Dans la minute ça, nous avons une responsabilité pour nous prendre une position dans le cœur. Pour offrir comme une offrande à l'Éternel. C'est une meilleure offrande qu'au kabab by l'Éternel, les gens de Facebook. C'est une meilleure offrande qu'au kabab by l'Éternel, c'est la vie. Expérimenter vivre à l'Éternel, c'est la meilleure offrande. Les gens de YouTube, c'est la meilleure offrande, meilleure adoration qu'au capable l'Éternel, le vrai Dieu d'éternité en éternité. Le monde entier, chaque nation capoté, c'est meilleure offrande que une capable offrir à l'Éternel. C'est l'heure de constater que vivre appartenu à créateur, à Sila qui vit éternellement.
puis que vous soyez à travers le monde, c'est meilleur culte, meilleure adoration qu'au Krababa à l'Éternel. C'est offrande qu'au Krababa à l'Éternel, c'est toute vie entièrement. Que chaque personne à travers le monde qu'à reconnaître et dit Seigneur, tu es digne. Notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir gloire et l'honneur et la puissance. Est-ce que vous êtes prêt pour justement dire ça? Seigneur, tu es digne de recevoir. Gloire, l'honneur et la puissance. Que non ça, le nom le plus puissant du monde, un nom le plus puissant de toute éternité, capable de publier, capable de témoigner à travers toute langue, à travers toute pensée, nous pas gagner yon l'autre sinon lui. Nous constater comment le monde braler toute prophétie y accompli. Jean le livre des livres dit, eh bien, quel que soit frère ou sœur qui a écouté Jean l'apôtre Paul, tes conseillers de l'église de Rome, offrit-nous comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice qui est agréable, offrit la vie nous comme un culte qui est raisonnable à l'Éternel. À l'instar de Salmis David, il crie à l'Éternel, il dit l'Éternel, c'est berger, l'Éternel c'est pasteur, l'Éternel c'est toute bagaille pour moi pas manquer rien. Oui. Ça veut dire David pour l'autre dimension. David quittait la terre. David quittait les choses matérielles. À la minute que David reconnaît que le Seigneur, c'est toute bagarre. Il ne va manquer rien. Peut-être pendant qu'on a parlé là, il y a bien aimé qui couchait à l'hôpital malade. Mais adoration à l'Éternel, c'est le meilleur remède. Il y a un croyant capable. Adoration à l'Éternel. C'est pas n'importe quelle adoration, mais reconnaître-lui comme le Dieu juste, un Dieu immuable, un Dieu fort et puissant, consacré famille comme vraie adoration à l'Éternel à soi. Ou même qu'à coûter un peu partout à travers le monde. Nous pas gagner un lot que les mêmes seuls. Nous pas gagner un lot car c'est les mêmes qui rachetaient nous par son propre sang. Et nous reconnaissons ça. À travers son sang précieux, nous devenons libres. Nous pas esclaves. Nous libres pour nous glorifier. Nous libres pour nous témoigner grandeur. La côtoyer en signe de reconnaissance envers l'Éternel, sous qu'à lever main.
pour témoigner grandeur lui autour de vous, car il est omniprésent partout à la fois. À travers nous, à travers les familles, nous, glorifiez. Nous baguions l'autre. Est-ce que Canada voulait adorer? Est-ce que Haïti, les Haïtiens, voulaient adorer le Seigneur? C'est le même Brésil, Chili. Est-ce que nous voulons adorer le Seigneur? Ou pas besoin yon religion rentrer en don, yon temple pour faire ça quel que soit. Moun ki oyé a. Ça le sa dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et se constater que on a envie d'adorer. Est-ce que frère avec Seigneur capable d'adorer le Seigneur? Adorer parce que lui vrai. Nous faisons expérience à travers le monde entier, nous constater, nous entendre. Je dis que si là il y a que froid a grandi, permet de grandir plus encore, davantage, pour nous continuer à croire en le Seigneur. Pas brocher, pas abandonner. Car la Bible, la parole de Dieu, les dignes, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peut-être qu'à ouer un peu froid diminué. Sortez, expect, c'est pas sort. Ou ouer, sortez. Mais ou même. C'est la raison pour laquelle moun qui appartenu à Dieu, il n'a pas failli. La continuer pour le bail de gloire. Remerciez-les pour s'allier. Merci Seigneur. Merci. Parce que vous servez avec vie, vous m'adorez. Est-ce que vous voulez dire ça, soyez? Vous servez avec la vie dans le travail, dans le lieu côté mien, la caille pour adorer le Seigneur. La parole de Dieu. Apprenez-nous, n'importe monde qui publie non le Seigneur, publiquement le Seigneur, a présenté devant puissance. Ben le Seigneur gloire. Quel que soit côté l'hôpital, la prison, quel que soit ça va traverser dans le moment. Tu vas besoin peu adorer car le Seigneur a un mot pour chaque problème. Le Seigneur nous donne une solution pour chaque problème. M'encourager au bout. Continuez à adorer le Seigneur. Adorer-le. Adorer le Seigneur vide qui n'a rien à combler. Continuez à prendre le Seigneur pour vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Nous adressons au Seigneur dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Restez branchés, restez connectés et continuez même esprit d'adoration ça pour nous capables de continuer à glorifier. Restez branchés dans la tout.
Gloire à Dieu, plein et paix, nan nan nous, même kap koute, kap tende, pas oublié. La Bible dit, étant donc justifié par, et par Christ, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec lui. C'est pas la paix que vous respectez que grand nation yo. Pour dire nous, il est impossible pour capable de joindre la paix extérieure. Mais la paix intérieure, mais le Seigneur bail petit livre. C'est une garantie que nous gagnons. Tout le monde qui s'est pouli. Donc, il fait un cadeau, la paix intérieure. N'avez pas. Quelques bien-aimés qui est avec nous au bout de la ligne, qui voulait bénir le Seigneur, avant même nous saluer quelques amis qui, de près et de loin, nous avons salué quelques là-dedans. On nous recevoir notre sœur Bernadette Mathieu. Sœur Bernadette, bonsoir. Nous parlons de bon Dieu dans nos sommes, qui se sont dans quatre gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange en sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un homme vers lui, le regard en un rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Et fait le bien, recherche et poursuit la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à l'écrit. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur dette.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit d'un abattement. Malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en vivra toujours. Il y a toutes saisons, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les champs, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent du châtiment. Amen. Gloire à Dieu, merci la sœur Bernadette Mathurin de Boston qui te lit la Bible, qui c'est la parole de Dieu, ou même qui toujours mette confiance dans la parole. Donc, continuez béni, bye le Seigneur. Gloire, on va écouter la prière pour le monde chaque mercredi à partir de 7h30. Donc, ou même qui remet la prière, qui remet à type de prière ça y est, et vous capable de brancher avec nous chaque mercredi à partir de 7h30. Et nous avec ou encore chaque jeudi 7h30 pour l'enseignement de la Bible. Qui t'aime me dire que pour les amis qui à peine joignent nous sous plateforme nous, et ou capable de taper Hébreu 13:8 TV. Ou qui nous a tapé ça? Hébreu 13:8 TV. Et puis, ou a joindre à nous pour capable et vivre et émission. Ou a capable vivre programme ministère ça. Très important. Nous voulons saluer quelques amis qui branchent nous. Nous avons salué la famille Camille, Félix, et qui gagnait maman qui allait au-delà. Ça veut dire qu'il sortit dans la vie ça pour prendre l'autre vie. Et la vraie vie, sous les rires comme ça, donc tout vrai croyant, et nous connaissons que. Et vie ça, l'hypothé en pile conséquence, mais autre vie, la vie éternelle, c'est une vie sans fin, côté papier, maladie, quel que soit type de maladie, des gens qui souffrent avec sucre, qui ont tout yé mon yo. Il est obligé de jouer un docteur de temps en temps. Tension fin maltraité. Et cancer, tout type de maladie, mais nous prenons une pandémie qui tombe sous le monde là. Et finalement, même là où on ne peut pas attaquer physiquement et face avec. Et preuve ça, les frapper ou vraiment humainement parlant, courir ou parler. Donc, seule et solution, c'est l'or lagué ou tout bon vrai dans en Dieu. Ou servir tout bon, ou prendre au sérieux, donc ça capable de servir un remède. Mais en pile, le monde, même l'or a marché. Pour le moment, mon yo vraiment yo en pile de yo malade et malade grave et seule solution yo moun genye c'est vivre le Seigneur, vivre pour vrai, donc peut-être et Dieu capable vraiment aider au moment. Nous saluons la famille Félix, nous souhaitons que et yo capable reprendre yo car à l'instar de Job te vivre un paquet d'épreuves, mais en dépit de tout Job continue de croire et
Job arrivé au moment, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son grand nom soit béni. Chaque vrai serviteur, il est vrai, épreuve, perdu maman, perdu papa, perdu sa déjà, perdu maman, perdu papa. Donc, et c'est une preuve ou rendre compte vrai papa ou vrai maman, c'est le Seigneur. L'autre yoté important, ce sont des aides que yoté yon là comme aide, mais vrai papa yon, vrai maman, c'est notre Dieu, notre Seigneur de toute éternité. Eh bien, que famille incapable entre les mains de notre vrai Dieu de toute éternité, espérant que nous restaurer et pour nous continuer à bailler le Seigneur gloire. Que le Seigneur bénisse famille, quelle que soit famille qui est liée avec la famille Camille, que vous aurez été béni et continuez à bailler bon Dieu gloire. Les durs, perdu maman, perdu papa, et les pas douces, parce que moi j'ai fait expérience en déjà. Les perdu maman, c'était vraiment, c'était vraiment atroce, n'est-ce pas? Et après, on perdu papa, donc c'est vraiment. Mais quand même, à la lumière de la parole de Dieu, le Dieu de toute éternité a donné, le Dieu de toute éternité a ôté que non capable de continuer béni. Ça, c'est parole toute vraie, serviteur toute vraie servante, même dans les épreuves. Nous saluons la famille Rodrigue Capcoutine, que le Seigneur est capable de bénir nous, le Seigneur est capable d'accompagner nous pour nous continuer à servir le Seigneur. Nous avons salué plusieurs autres familles, la famille Patrice Saint-Just, que le Seigneur bénit, accompagnez-nous, gardez-nous. La famille Mario, les deux Mario, que le Seigneur est capable de bénir nous. La famille Vélouin, la famille Marcelin, la famille Coula, la sœur Ruth, le petit Christ, la côté que le Seigneur est capable de servir nous, yon colonne de feu pour protéger nous, garder nous, et m'a demandé en pile précaution. N'avez salué les amis qui Canada, la France, Brésil, Chili, les amis de Facebook, les amis de YouTube, les amis de WhatsApp. Saluez-nous, que le Seigneur est capable de protéger nous, par lier. La vraie solution n'est pas dans main les hommes, mais dans main le Seigneur. Ou même qui malade, qui l'hôpital, ou bien qui a traversé une crise, solution n'est dans main le Seigneur. N'a continué à demander où pour capable agir la foi dans lui. Quel pour vrai à travers les paroles. Salut tout le monde qui a écouté. Même les mêmes affaires, c'est tout noyau, mais le Seigneur, il est tant que omniscient, il connaît nous. Que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur accompagne nous. Et nous allons rentrer dans la méditation de la parole. Et après quoi, nous allons prier. Nous allons rentrer dans la prière d'intercession pour les malades, pour toutes les nations. Aussi là, il y a une autorité dans le pays ou dans la nation. Tant qu'ambassadeur de Christ, nous avons une responsabilité pour nous prier pour vous. Redébrancher la retourner pour nous capables de méditer dans quelques minutes et parler de merci de Dieu, nous allons enseignement. Enseignement, nous allons sur Satan et le diable. Très important, nous allons manger à Matthieu 4 et Luc 4, nous va expliquer aux deux chapitres ça yo, qui est vraiment important et au même qui pour autant et
invitons Zamine pour lui entendre parce que son yo capable vraiment différent. Parce que c'est pas c'est li rare et dans le ministère ça, c'est rare quelques ministères bon ouais qu'on y a comment ça comprendre la réalité. Donc mon nous bénissons les seigneurs. Donc nous bénissons les seigneurs pour yo pour capable continuer vivre vérité. C'est la vérité qui a toujours fait surface mensonge. Pas capable de faire surface sur la vérité. Mensonge, c'est ténèbres. La vérité, c'est la lumière pour éclairer. Quelque chose s'en fait, c'est la lumière qui a remporté la victoire. Redébranchez la paix. Capable de présenter un coup de méditation juste avant même nous rentrer dans la prière d'intercession. D'ordinaire, dans le moment de prière, nous toujours
toujours tendez nous pas prier même à tout le monde. Alors pour plusieurs, il y a quelques bien-aimés qui yo pas rendre compte, yo pas dans l'ambiance là. Parce que ambiance là c'est gonse les bagages qui a répété dans prière yo. Donc laisse ça moun yo penser c'est ça yo prière. Non, ministère la prière pour le monde ou qu'a constaté nous pas fait prière yo même gens avec dénomination yo. Avec religion yo nous pas fait ça. Je ne contendais pas sur les ondes, il y a prié, il y a souhait, il y a l'amour, et puis nous bien calme, nous faisons un service aussi simple. Oui, et pas de complications là-dedans, non? Mais de jour en jour, on a compris que Jean Yoté banou information yo, information traditionnelle yo, yo fait souffrir et finalement nous connait nous vraiment à répéter ton paquet de bagages au jour le jour. Et il y en a nous qui viennent rendre compte qu'ils n'ont pas servi nous de rien. Parce qu'ils n'ont pas chita sur la parole. Bon, on prend un texte justement pour nous capables et de comprendre qui ça la prière. Non, évangile de Luc. Chapitre 11, la Bible dit que un jour, Jésus, étant que notre modèle, t'a choisi un lieu pour la prier. Jésus, notre modèle, choisit un yon lieu, yon zone pour la prière. Nous avons constaté que même enseignement nous est différent dans le ministère des Bouddhistes et des Jésuites, très différent parce que raisonnement n'est pas même. Nous acceptons parce que effectivement n'est pas même. Finalement, nous prêchons que Jésus-Christ, étant que le seul vrai Dieu, mais voilà, nous rassoyons, Jésus choisit un lieu pour la prière. Et la prière, prière signifie prier quelqu'un qui est supérieur de vous, n'est-ce pas? C'est ça la prière. De pouvoir prier, c'est prier un être supérieur de vous. Mais voilà, moi, tout Jésus choisit yon lieu pour la prière. Donc, demain, si Dieu veut, nan enseignement sur le diable et Satan, donc nan affaire passer sur la divinité. La Bible dit, lorsqu'il eut achevé, les fins prier lui-même, Jésus-Christ, yon disciple lio proche côté. L'île Seigneur, nous t'aimons que vous enseignez nous à prier parce que vous voyez Jésus prier. La première chose qu'on doit souligner, c'est que disciples là, pas imiter Jésus pour la répéter, pour chercher tant de ça Jésus-Christ dit et pour dire. Vous avez remarqué? Puis il faut prier, c'est prier, tendez la bouche, et puis tout l'autre monde fait. Vous avez remarqué que toute religion est même style de prière.
prier, écraser tête Satan. Prière. Voyez du feu. Prière. Son paquet de prières. Mandine. Est-ce que vous comprenez ça aujourd'hui? Mais disciples n'ont pas seulement entendu Jésus-Christ pour y aller laisser répéter comme Jacques répète, mais une disciple dit enseigne-nous à prier. Et la Bible dit dans Matthieu 6, Jésus-Christ décidé pour lui apprendre disciple de la prière. Enseigne-le dans comment vous prier. La Bible dit dans le Matthieu 6:9, les dit au messapundi. Voici donc comment vous devez prier. Ça veut dire le Seigneur a enseigné la prière. Il dit, nous a dit, notre Père qui est aux cieux. Ma foi, on remarque, notre Père qui est, et est, c'est pas est, et non, mais qui est aux cieux. Demain, si Dieu veut, il a parlé des divinités, il a expliqué ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné les disciples. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer, Jésus-Christ a avancé, dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et dernier texte, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Nous restons là dans la prière. Même vous montrer que vous gardez dans la prière pour le monde. Chaque mercredi, nous avons deux requêtes de prière. Prière d'adoration et la prière d'intercession. Nous avons remarqué qu'on ne peut pas faire que nous avons demandé dans la prière. Nous ne pouvons pas faire prière pour nous gagner caille. Nous ne pouvons pas faire prière pour nous gagner machine. Nous ne pouvons pas faire prière pour nous gagner l'argent. Nous ne pouvons pas faire prière pour nous gagner rien de matériel, n'est-ce pas? Ou car vous remarquez ça? Et pour nous donner une foule, nous capoter, c'est prière pour caille, prière pour machine, prière pour résidence, prière pour mon entrée, voyez mon choix vini, etc. Voyez photo. Donc là, il y a des milliers de monde qui attendent parce que c'est un peuple qui a besoin. Mais ministère de votre TV, pas ça. Il n'est pas ministère émotionnel, ça y est. Le Jésus-Christ montrer disciples la prière. Les pas dit au prier n'importe comment. Mais la prière, c'est un discernement qu'il y a. Je reprends. La prière, c'est un discernement de l'esprit. Car la Bible dit, Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent. En esprit et en vérité. Ou pas qu'à tomber la prière, ou faire sept requêtes de prière, et puis, qui n'a aucune signification.
prier pour Kaï, mais pour faire quoi? Si elle travaille, c'est comme ça Kaï vient. Elle travaille, fait comblant, ou bien à la chocaille. Prier pour machine pour faire quoi? Si elle travaille, ou bien sortir de. Mais comment poser ça? C'est l'école, et puis apprendre un métier. Al travail sous métier pour me machine aussi simple m'a besoin prier pour ça nek nous seulement qu'a dit le Seigneur merci parce que li ban intelligence m'a remercier le Seigneur même avant ou après mais pas prier le Seigneur pour ban kay machine résidence. Et autre, ça n'a pas aucune importance. Au contraire, c'est pas frère David qui dit ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu montre dans Matthieu 6. Il dit n'importe monde qui à la recherche bagay sa yo, la Bible dit yo, ce sont les païens qui le recherchent. Ce sont les païens, ça veut dire monde qui pas gagne connaissance de la parole de Dieu qui à la recherche, résidence par la prière, résidence par pour une machine, résidence pour une caille. Non, aussi simple. C'est parce que yo kidnapping qui fait yo menin dans condition pour nous croire c'est dans la prière pour nous caille c'est dans la non c'est déjà là le monde entier a tout ça la donne établi tout ça Dieu créé c'était pour nous donc on y a dit bah nous intelligence pour aller à l'école pour apprendre un métier et pour nous capable gagner vie nous tout bonnement. Que dit le Seigneur? Merci. C'est la prière de remerciement, c'est l'action de grâce à l'Éternel. Mais pourquoi faire? Pour nous quitter Kainou, pour nous passer des heures à l'extérieur de Kainou, madame, nous petites nous, et puis pour nous aller longtemps, pour nous faire toute une journée, au lieu pour nous passer dans la réalité des choses, nous mettons en illusion. Sous prétexte que c'est sa parcellité. Quelques-uns d'entre nous, au lieu de nous venir piller, nous venons plus mal parce que nous faisons souffrir. Il y en a nous qui viennent plus pauvres parce que nous appauvrissons davantage. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est enseigné des disciples d'abord. En la prière, ça, c'est pas une prière de Jacques, répète. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Après chaque bagage, vous répétez, non. C'est le discernement. Le discernement est en nous. Comment nous discerner? Comment nous exprimer nous? Expérimenter nous? Dieu en nous. C'est ça la prière. Donc, en deux prières, ça a gagné 5 catégories de prières. Il y a la prière d'adoration. C'est la première prière qu'on doit faire à l'Éternel. La prière, comment pour adorer Dieu. Reconnaître-lui juste, lui reconnaître-lui l'immuable, reconnaître-lui c'est omniprésent, reconnaître-lui omnipotent, reconnaître-lui comme omniprésent. Ça veut dire que c'est ça Dieu besoin. Reconnaître que des bagailles, le plan de Dieu n'est pas bougé. Jean plantera si elle se posait. En d'autres termes, il y a la prière d'adoration. Dans le Notre Père, il y a la prière de consécration à l'Éternel. Il y a la prière de demande. Mais quelle demande? Donne-nous aujourd'hui notre pain. Ce n'est pas le pain naturel.
C'est la dimension de connaître Dieu davantage. C'est pas le pain naturel, mais le pain naturel. Tout le monde nous connaît clairement. C'est travail pour nous travailler. Nous sommes forts pour nous faire. Il y a la prière de demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la révélation même de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons besoin comme pain qui pour nourrir nous spirituellement. C'est ça le besoin. Et il y a la prière de confession. La prière de confession aussi simple, c'est pas confesser devant Dieu et puis m'ennuyer avec frère Maxime, non. Au contraire, après le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha, tout le monde qui croit ça, c'est que Dieu investit, lui présente comme le sacrifice parfait pour nous, pour nous être capables de payer dette nous. Maintenant, le reste, c'est vraiment qui était mon frère, soeur, c'est comme on vit avec elle. Qui relation entre même avec mari ou avec madame. On nous dit, au lieu que nous entendons, pour nous avoir une parfaite communion, et pour aller dans le jeu, nous demander mon Dieu pardon. Mais ça vient à mon Dieu, hein? Ça vient à mon Dieu. Qui moun ki ka gè ak bon Dieu, ki moun? Si yon moun a travers le monde qui gon problème ak bon Dieu, ki ka rezoud problème nan, montre-moi ki problème ka gen avec le Seigneur des Seigneurs. Attention. Donc au lieu nous allant jeûne pour demander de bon Dieu pardon, tandis que frère, madame, mari aux alentours. Ça n'est pas pour nous régler, nous ne pouvons pas régler, nous ne pouvons pas confesser l'un à l'autre. La Bible parle, il dit, si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est après nous finir d'entendre nous, pour avoir une bonne relation avec le Seigneur, pour continuer à adorer le Seigneur. Il y a la prière de demande, il y a la prière d'intercession que nous avons fait et la prière d'action de grâce, ça veut dire la prière de remerciement. Ou t'as écouté la prière pour le monde avec le frère David Sirel qui t'a aidé de comprendre les plusieurs catégories de prières. Quelle que soit la prière que vous allez faire, il faut qu'on ait quel type de prière que vous allez faire. Mais maintenant, nous allons faire la prière d'intercession pour le monde. Redébrancher et n'abtourner. À toi mon âme est libérée, pour toujours elle est délivrée de ce qui cause son état. Nous allons rentrer dans la prière d'intercession même qui malade, la côtoyer. Faire le Seigneur confiance à travers de sa parole et me rassurer qu'on va guérir. La Bible dit, t'es gagné un centenier qui rencontré avec le Seigneur Jésus-Christ. Et
personnage qui est responsable plusieurs soldats, les gagnants dans le soldat, lui qui malade. Et soldat ça, tu rends compte qu'il n'est pas digne pour le Seigneur Jésus-Christ dans la caille. Et voilà, font prière à le Seigneur Jésus-Christ, voilà, font prière. Gardez des prières. Non, dit Seigneur, moi qu'on est moins pas digne. Il y a en face du Seigneur à l'époque. Pour rentrer la crème. Mais seulement dit un mot. Ou en prière. Ou la confiance est investie dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui reconnaître. Puissance, la majesté de notre Seigneur. Les dix Seigneurs disent. Et le Seigneur a agréé prière là, il dit, où m'est allé? Que serviteur a guéri. Et soldat allait arriver la Kaili, il manquait à qui l'heure que le Seigneur t'ait parlé. Pas de grand téléphone, non? Le Seigneur dit, allez, que serviteur l'a guéri. Et serviteur a marqué qui l'heure le Seigneur t'ait dit que serviteur a guéri. Il est arrivé jeune soldat en santé. Lui demander. À qui l'heure que soldat a levé, il dit telle heure, puis j'ai gardé lui, ouais, telle heure, c'est l'heure ça le Seigneur a parlé. C'est que Dieu gagne un mot pour chaque monde qui n'a un problème, qui n'a une calamité. Mais nous n'avons pas qu'on besoin. Investi foi ou dans lui. Ou besoin de croire. Ou besoin de continuer à croire. Pendant qu'on a parlé là, il y en a des bien-aimés à travers la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, malade. Il va lever et marcher. Car lever et marcher et glorifier le Seigneur. Pendant qu'on a parlé là à l'instant même, il y a un bien-aimé qui est en prison, qui a libéré. Non seulement physiquement, spirituellement, des hommes et des femmes qui sont en prison, spirituellement, il va libérer à travers le ministère hébreu de l'Institut. Disposez-vous. Ou même comme ambassadeur de Jésus-Christ, ou qu'on a une responsabilité pour prier pour nation, plus précisément, pays nous, pays d'Haïti, pour chaque grain haïtien. Combien de monde qui veut prier pour pays d'Haïti, pour un bain de sang, une guerre civile va éclater dans le pays. Nous connaissons des monde qui aime belle merveille, mais pour monde qui est Christ. Nous besoin investir de miséricorde et de compassion pour nous prier pour chef d'État nous. Pour nous prier pour payer nous. Me rappeler de Daniel, les trois jeunes Hébreux, ils étaient croyés dans la prière de prier pour nation. Je dis à pas de prier pour nation, pas les monde qui veulent prier. Parce que pas quoi? Combien de monde qui croit que Dieu est capable de délivrer le pays d'Haïti? Oui! Il est capable de délivrer, il est capable de nos nations comme toutes les autres nations. Combien de monde qui croit que Dieu est capable de retirer tout le monde qui a mangé dans le fatra? Et tout le monde qui est levé, qui n'a pas mangé, qui n'a pas dormi, qui a besoin. Le gars, il passe une semaine, il n'est pas capable de manger.
Il est obligé de prendre ZAM dans même. Je dis à nous gagner la pauvreté dans le pays nous permet de plus misère, de plus monde, jeune petit monde qui entre dans gang, qui est armé. Mais est-ce que nous-mêmes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, nous croyons, nous avons responsabilité pour nous prier pour le pays nous? Nous croyons si des hommes de Dieu qui la prière. Le Seigneur est capable dit un mot. La Bible montrait Élie la prière et le Seigneur attendait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou même qu'à côté là. On continue à croire dans lui. On continue à bénir nous. Demandez le Seigneur. Pour continuer à tracer la route devant bien-aimé, devant serviteur, servante. Non, la prière. Père éternel, notre Dieu, assois à Seigneur, nous vînes devant en esprit, en vérité, pour nous présenter au Seigneur la vie nous d'abord. Et tant que papa nous, qui créait nous, qui mettait nous en existence, nous présenter la vie nous comme une offrande à nous même à l'éternel. Où c'est maintenant, c'est Seigneur nous. Et l'humanité entière, le monde entier, l'inamère. Pas grand-rien qu'à passer inaperçu devant au Seigneur. Par conséquent, au Dieu, nous présenter où toutes les nations, quelles que soient nations à travers le monde, nous présenter au Seigneur tout chef d'État levé devant au Seigneur, même Jean, où tu as autorité sous Nebuchadnezzar. Nous croyons, Seigneur, quel que soit chef d'État, ou bien pouvoir sous yo. Pas grand-rien, oh Dieu, qui fait qu'on patte là, qu'on patte qu'on est. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, accompagnez-vous, pour être capable de servir le pays. Nous présentons, Seigneur Dieu, pays, nous, pays d'Haïti. Non, mais oh Dieu. Nous présentons pays ça. Que puissance sont capables d'investir le pays. Que puissance sont odieux capables d'investir chef d'État pays. Gouvernement pays. Seigneur, t'en prie. Esquivez-nous, Seigneur, d'un bain de sang qui plongeait sous pays ça. Qui a signalé pays. Si nous tous commençons à goûter l'un avec l'autre, combien de milliers de personnes qui auraient perdu la vie? Sans nul doute, Seigneur, il y a des élus, des électés, des sauvés, qui l'a pour proclamer nous davantage à travers le monde. T'en prie, oh Dieu, fais grâce. Si là, il y a qui est malade, si là, il y a qui est en prison, demande-toi, t'en prie, Seigneur, fais grâce, que miséricorde est capable. Investis, frais-nous avec ce nous, libérer les pays. Nous pas contre l'heure, nous pas contre le moment. Mais le temps est fixé au Dieu pour libérer. Au temps marqué au Dieu pour libérer. Nous pas contre pays au Dieu. Côté l'heure, nous pas gagner élection au Dieu, pas gagner crise. Mais nous tout va chita pour nous penser le pays nous. Nous présentons le pays aux États-Unis, dans le monde qui va gagner l'élection, oh Dieu. À moi, d'autant plus, Seigneur, pensez à le pays, nous, pays ça. Encore une fois, il y a une grande puissance. Armé de bonne volonté, il est capable de diriger la nation ça. Nous levons frais, nous, seuls, nous,
qui t'a écouté sur Facebook, sur YouTube, assister au béni. C'est là où qui malade, Dieu va guérir dans le nom de Jésus-Christ. Que nous prions. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Je viens. N'a dit tout le monde, bonsoir, bonjour, ou même qui t'a écouté la prière pour le monde. Pas oublier, chaque mercredi, à la même heure, 7h30, la prière pour le monde avec nous. Et même qui branché, continue connecté. Bonne soirée à tout le monde. Demain, si Dieu veut, nous allons avoir un enseignement biblique avec la sœur Bernadette Mathurin et la sœur Carole. Et pour nous écouter l'enseignement sur le diable et Satan. Restez branchés et que le Seigneur vous bénisse. Merci un peu tout le monde, c'était frère. Bonne nuit, bonne nuit. Bye bye. Amen.